Donc avec le capitaine Auriaquois, Pierre Roussel. Une première cape de capitaine à Lyon face à l'ogre lyonnais. Vous avez bien résisté, fait plutôt une belle prestation vu les noms qu'il y avait sur la feuille de match en face. Bah ouais, on venait sans pression à Lyon, même on avait une équipe un peu remaniée. Mais ouais, sur la première mi-temps, on prend deux essais. Surtout, on n'a rien de collé à la mi-temps. La mi-temps, juste on prend ce dernier essai qui nous fait un petit peu chuter au niveau du score. Si on l'avait pas pris, on aurait serré un peu, on aurait collé, ils auraient peut-être un peu plus douté sur la seconde mi-temps. Après, sur la seconde mi-temps, il y a deux essais de pénalité sur mêlée, une interception. Le score est un peu large à la fin, mais c'est une grosse équipe. On voit que c'est la meilleure équipe de Pro D2. Dès qu'ils peuvent marquer, ils marquent. Et voilà, c'est une grosse équipe. Ouais. C'est une grosse équipe. Un rideau noir qui ne s'est jamais consumé en défense. Très dense physiquement. Ouais, c'est une équipe très, très dense, même si on a proposé du jeu, on est arrivé à avancer quelques fois. Et je pense qu'on a quand même fait un bon match. Parce que dans l'animation, en défense, on s'est peut-être fait trouver une ou deux fois, je crois. Mais c'est vrai qu'on n'a rien lâché. Comme je l'aurais dit, c'est toujours un plaisir quand même de jouer ces matchs-là, de se confronter aux meilleurs joueurs de Pro D2. Il y a des internationaux, tout ça, c'est toujours excitant quand même de jouer des matchs comme ça. C'est vrai qu'en défense, tu dis on ne s'est pas trop fait trouer, c'est deux essais de pénalité, trois essais à zéro passe, donc du positif quand même dans une rencontre comme ça. Ouais, pour sortir de ce qui est positif, c'est malgré une équipe remaniée, on a mis beaucoup d'engagement, on n'a pas baissé les bras contrairement à l'extérieur, ce qui nous est arrivé quelques fois depuis le début de l'année. Donc c'est quand même positif, il va falloir garder ça de positif contre le match de Tarbes et de suite penser à ce match de Tarbes de samedi.